Monsieur, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello. Bonsoir là-haut. Bonsoir tout le monde. Allons, on stade. Madame, monsieur, bonsoir, je vous salue. Vous qui êtes tranquillement installé à la maison avec à boire et à manger, on est ensemble pendant une petite heure, une émission extrêmement complète. Nous allons la démarrer tout de suite. Je vais vous donner l'énigme. Attention. Non, je vais demander à l'invitée qui nous attend dans le suppositoire de nous rejoindre. C'est une comédienne française formidable, extrêmement chaleureuse. Elle est venue nous voir la saison dernière. Nous sommes ravis de la recevoir cette saison-ci. Voici Christine Boisson, mesdames, messieurs, accueil. Mesdames, messieurs, Christine Boisson, accueil chaleureux, s'il vous plaît. Comment ça va, Christine? Ravi de vous avoir. Enchanté, bonsoir. Vous avez l'air en pleine forme. Ouais, j'ai bien fait de me mettre en noir, vous voyez? Oui. Ah, on s'était pas dit, hein? On s'était rien dit. Non. Christine, on va parler de votre actualité, qui est un film qui s'appelle Les Marmottes, oui. Qui sort aujourd'hui, oui. Dont nous allons parler d'ici quelques minutes. Pour l'heure, nous allons rejoindre nos deux jeunes camarades. Ah non, je vais vous donner l'énigme finalement, pardonnez-moi, oui. puisque justement, je voulais que vous soyez avec moi. Écoutez bien, écoutez bien. Un militaire attend son train sur le quai de la gare. Attends son train. Le train arrive. Le train s'arrête. Les passagers montent, il y a des passagers qui descendent. Et lorsque le train s'en va, le militaire est toujours sur le quai de la gare, il n'a pas pris le train. Pourquoi? Pourquoi? Chut, chut, chut. 42 48 16 16 42 48 16 16. Si jamais vous n'arrivez pas à nous joindre sur le standard, vous faites le Minitel 3615, code TF1, rubrique coucou, et vous pouvez répondre. Ouais, le militaire attend son train, le train arrive, le train s'en va, le militaire est toujours là. Pourquoi? 42, 48, 16, 16, il y a un épatant filet garni au bout. Nous allons rejoindre immédiatement les deux bambins qui sont ici, Pierre Belmar, Patrice Carmou. C'est parti. Vous êtes bien arrêté? Oui, à peu près. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Bonne Bonsoir. Journée. Très bonne. Bonne journée, Patrice, Christine. Enchanté. Pierre, Christine Boisson, Pierre. Comment ça va, Pierre? Vous avez une forêt. Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous remercie des très jolies femmes que vous invitez d'abord. Et que je mets toujours à côté de vous. Oui, c'est déjà très agréable. Régulièrement. Merci. Vous êtes content? Très. Bien. Vous êtes habillé un peu chasse aujourd'hui, ça tombe bien. Oui, justement, parce que je voulais me camoufler dans la forêt. Voilà. Les marmottes. Dans la forêt profonde. Les marmottes, bien. Bien sûr. Moi, je suis un peu pie aujourd'hui, vous voyez? Oui, c'est vrai. Pie, et vous? Un peu première, oui, un petit peu. Un peu, oui. Bah oui, mais enfin, bon, c'est. Voilà. Pie aussi. Patrice. Non, je voulais juste dire que André Vernada. Un peu, oui. Ouais. De la gare d'Orval, qui a envoyé l'énigme que vous venez de citer sur le militaire. Ah, qu'est-ce qu'a-t-il gagné? Eh bien, il gagne. Qu'est-ce qu'a-t-il gagné? C'est un lecteur radio cassette laser portable des Who. Donc, si vous aussi, vous voulez gagner un lecteur laser radio portable, laser, etc., vous n'hésitez pas à nous faire part de vos. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Un peu de concentration, parce qu'on n'arrivera jamais au bout, sinon vous pouvez vous aussi donc gagner ce cadeau. Maintenant, nous démarrons, Pierre, comme chaque mercredi, par cette traditionnelle aventure dans laquelle nous allons plonger d'ici quelques secondes. Pierre Belmar, de quoi s'agit-il? Alors, le décor d'abord, c'est Paris. C'est simple, c'est pas du tout la forêt, c'est Paris. C'est Paris, c'est vraiment une histoire citadine que j'ai choisie. Oui, vous montrez. Ça, c'est drôle, ça, citadine. M'énerve. Non, s'il vous plaît. Détail du décor. Une galerie de peinture, une petite galerie de peinture, pas très, très connue. Alors, elle peut être Montparnasse, elle peut être à Montmartre, elle peut être avenue Matignon, elle peut être sur les quais Rive Gauche. Avenue Matignon, c'est déjà un peu chicot. Sur les quais Rive Gauche. Enfin, une petite galerie de peinture sympathique, d'accord. Et dans cette galerie de peinture, où il y a surtout des œuvres de peintres modernes et contemporains, tout à fait au fond, discrètement, le propriétaire de la galerie accroche un nutrillon. Voilà. Clic. Voilà. Alors, ensuite, un grand hôtel de Paris. Ça peut être le Bristol, ça peut être... Oui, il y en a quelques-uns. Ça peut être le Georges V, le Prince de Galles. Bon. Arrive un Américain. Très riche. Ça peut être un Américain moyen. Non, très riche. Très riche. Non, un milliardaire américain qui vient régulièrement glaner quelques œuvres picturales françaises. Et il y a les rabatteurs. Il y a toujours des gens qui sont au courant de ça et qui dirigent plus ou moins ces milliardaires vers des galeries. C'est pour ça que vous avez mis une veste chasse. Absolument. Et l'un de ces rabatteurs, justement, l'envoie vers cette galerie où on accrochait dans le fond discrètement un nutrillon. Et l'Américain arrive... Utrillo a toujours peint
dans son atelier en général et sur carte postale. C'est une peinture, surtout il y a les jaunes, les gris, les blancs qui dominent. Ouais. Et c'est une peinture le rouge un petit peu sur commande. En quelque sorte, on faisait travailler vraiment à la chaîne d'abord sa maman et puis ensuite sa femme. Ça a été quand même un homme assez martyr dans de ce côté-là. Mais cela dit, il y a des choses très belles, mais un petit peu répétitives, il faut le dire. C'est clair. Il y a un peu un standard. C'est clair. Bon. Donc cela dit, l'Américain arrive dans la galerie. Ça fait un peu première aussi, hein. Bon, allez-y. C'est vrai que ça fait un peu j'ai des raisons. Oui, oui. Il voit les tableaux d'art moderne, il voit la peinture contemporaine, et puis bien sûr, il s'arrête au fond de la galerie devant cet utrio. Bien, évidemment, il en arrête. Et bien, j'assure. Comme, bien sûr. Ah. Et il demande au propriétaire de la galerie, combien vaut cette toile ? How much ? Oui. Et le propriétaire lui répond, elle n'est pas à vendre. Mais absolument pas à vendre, parce que cette toile, je dois vous l'avouer, c'est un faux. Il y a eu beaucoup de faux, Utrillo. Ça a été un peintre extrêmement copié. Et donc, il me dit, c'est un faux, donc je ne le vends pas. Je l'ai accroché là, tout simplement, et au fond, vous voyez, je ne l'ai pas mis en valeur. Parce que, bon, c'est un souvenir, c'est quelque chose... C'est un peu un porte-bonheur pour moi, mais je ne le vends pas. L'Américain fait très bien, il s'en va. Il retourne à son hôtel, là, il convoque deux, trois personnes qui sont des experts parisiens. Il va avoir vraiment un grand... J'ai une grande jambe qui va passer. Enfin, bref. Oh non. C'est pas la première fois. Hein. Il vise toujours les parties sensibles. Allez-y. Donc, il demande à quelques experts d'aller dans cette galerie, de regarder le trio et de lui dire si c'est un vrai ou un faux. Les experts vont dans la galerie, regardent le trio, reviennent chez l'Américain dans sa chambre et lui disent c'est un vrai. Alors là, évidemment, l'Américain retourne à la galerie et dit, voyez-vous, l'autre jour, on m'avait dit que... Mais j'aime faux, bien, finalement, j'aime bien les faux. Mais voilà, ça m'amuserait aussi, je trouve sympa, tout ça. Je voudrais l'acheter. Mais non, écoutez, je ne vais pas vous vendre un faux. Mais si. Bon, finalement, discussion, et il finit par acheter un faux, 250 000 francs, ce qui est quand même assez cher pour un faux. Ah bah oui. Mais l'autre ne veut pas s'en débarrasser, donc il surengérit un peu, puis il se dit, de toute façon, c'est une très bonne affaire, puisque c'est un vrai, 250 000 francs, c'est pas cher pour un vrai trio. Donc, l'affaire se conclut, et évidemment, le directeur de la galerie signe une magnifique facture où il y a vendu ce jour à Monsieur Machin un faux utrio à la somme de 250 000 francs. Sur ce, on emballe le tableau, on lui met un petit papier, une faveur, et il part à son hôtel avec. Une faveur. Il arrive à son hôtel avec le tableau, il le déballe, il le pose sur le canapé pour se reculer et le voir mieux, et là, il a devant lui un faux utrio. C'est normal, il a acheté un faux utrio. Oui, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment un faux utrio. Oui. C'est le piège formidable. C'est le couillon couillonné. C'est un vrai. Non, c'est un faux. Vous n'avez peut-être pas tout suivi. Ah, peut-être c'est... pas tout. Attendez, c'est... on va peut-être pas tout suivi. Si vous êtes un peu attentif. C'est un vrai c'est qui était en fait exposé dans la galerie. Mais au moment où il l'achète, il devient vraiment un faux. Et donc, c'est bien un faux qu'il emmène, oui. Avec une facture pour un faux, donc c'est imparable. Ah, c'est une très jolie escroquerie. Très belle. Ah, ouais. Et alors ? Et alors, bah, c'est tout. Voilà. Jamais personne ne sera pris parce que c'est absolument impossible. C'est l'arroseur arrosé. Voilà, c'est l'arroseur arrosé, c'est l'escroqué escroqué. Donc, voilà. le vendeur a vendu un faux très cher, et l'Américain, croyant faire une niquette au vendeur, a acheté un faux très cher. Absolument. Ah, formidable. Oui, c'est une charmante histoire. C'est moral. C'est moral, finalement. C'est moral. Oui, rien à dire. Un petit mot à dire. Vous savez qu'on s'occupe une fois par mois des pots de terre et des pots de fer. Et moi, pour l'instant, je suis plutôt de pots de terre par rapport au pot de fer qui est là, mais enfin, c'est autre chose. Donc, dans Faut pas pousser. Vous connaissez cette émission ? Faut pas pousser le lundi soir. Voilà, le lundi soir, c'est lundi 29 la prochaine. Bien sûr. Et on a besoin de témoignages. Alors, si vous êtes un pot de terre, hein, si vous avez affaire à un pot de fer insupportable, eh bien, on va vous passer une adresse qui est là en ce moment, je me trompe. Oui, pour l'instant, un numéro de téléphone, un numéro de Minitel. Et vous appelez là, vous donnez votre témoignage. Et si vous avez un souci, grosso modo, avec quelqu'un qui vous en a fait. Voilà, avec l'administration, avec ce que vous voulez. C'est fait. Merci Pierre. Je vous en prie. Christine, vous restez avec nous ? Peut-être. On va voir. Suspense. On va réfléchir pendant la pub. Suspense. On va s'en parler tous les deux pendant la pub. D'accord. Ok. On se retrouve immédiatement après la pub avec Pierre Bellemare, Christine Boisson, Patrice. Et puis on revient tout de suite. Merci beaucoup. Messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Christine Boisson qui a la gentillesse de nous accompagner pendant une petite heure. Et avant que nous attaquions le sujet suivant, j'ai deux annonces à vous faire. Si vous avez des astuces pour enlever les taches sur la moquette, c'est ça Patrice, car nous recherchons en fait Une super ménagère. Si vous voulez devenir super ménagère avec nous, eh bien... Moi, j'ai une astuce.
Pour enlever les taches sur la moquette. Oui, mais oui. Vous n'êtes pas une super ménagère. Vous n'êtes pas une super ménagère. Comment ça, je ne suis pas une super ménagère? Qu'est-ce que vous en savez? Enfin, écoutez, j'ai gagné un concours en 1923, je me rappelle. Oui, non, mais c'est super ménagère. Oui, ça a changé de biche. Oui. Bien, donc si vous avez quand même des astuces pour enlever les taches sur la moquette, si vous êtes experte en nettoyage de carreaux, pour enlever les taches sur les vêtements, sur les nappes, sur les, etc., la vaisselle abîmée, là, hein, vous faites le 42 48 16 16, 42 48 16 16, car nous cherchons une super ménagère pour régulièrement. Pardon? Mmh. Voilà, pour donc venir régulièrement nous donner des cours et expliquer à tout le monde comment est-on super ménagère. 40, ou alors directement, vous pouvez noter, attention, celui-là est particulier, 40 53 45 39 40 53 45 39. Évidemment, vous passez par le 16 et l'1 si vous habitez la province. Je voudrais aussi également dire, si vous voulez gagner une croisière pour Tahiti. Avec moi? Si vous voulez, vous pouvez jouer, évidemment. Une croisière pour deux personnes à Tahiti. Vous partirez avec le quotidien voyage. Vous découvrirez le charme des îles polynésiennes et ses lagons à bord d'un catamaran luxueux de combien de mètres, Patrice? 18. 18 mètres. Accompagné de quoi, Patrice? D'un skipper et d'une hôtesse. Et d'une hôtesse. Skinautique. C'est une hôtesse de, oui, c'est une hôtesse de bateau, c'est normal. Oui. Skinautique, excursion en 4x4, croisière à deux sur un 18 mètres, alors que c'est un bateau normalement pour 6 ou 8, là vous ne serez que deux. Vous pouvez gagner ce magnifique voyage en faisant le 36-15 TF1. Rubrique coucou, le concours, le jeu s'arrête dimanche. Voilà. Faut se presser. Donc vous pouvez encore, si vous désirez partir à Tahiti, j'ai peut-être une ou deux réponses au jeu à vous donner, Christine, on pourra en parler. Puisqu'on en est dans les annonces, j'en fais une à mon tour. Très vite. Puisque Éric Aubier, qui devait être témoin ici aujourd'hui parmi nous, pour des raisons techniques, n'a pas pu venir, que ses amis se rassurent, il sera là la semaine prochaine. Ah, ben ça, ça, c'est il sera dans un aquarium. Déjà. Ah, l'aquarium, ouais. Bien sûr, tout à fait. Alors maintenant, nous allons parler de la forêt. Aimez-vous la forêt, Christine? J'aime bien les odeurs de la forêt. L'humus? Oui. Puis j'aime bien ce qu'on trouve dans la forêt, les framboises, les champignons. Les framboises dans la forêt? Oui. Mais évidemment. Ah, on n'a pas les mêmes forêts, hein. Moi, dans les forêts où je vais, je trouve jamais de framboises. Oui, j'ai des murs, des murs, des murs, des murs, du cassis. Oui. Des... Mais on peut trouver des framboises. Bien sûr, on trouve des framboises aussi. Ah, oui. C'est un peu plus rare. Champignons surtout. Après j'adore. Un bon cognac, on peut trouver ce qu'on veut. Hein, non. C'est vrai, des framboises sauvages. En bordure. Sauvages. En bordure de la forêt. Ah oui. Ah, au bord de la forêt. Donc nous allons peut-être y pénétrer. Allez, on va rejoindre Philippe Collignon qui nous attend déjà dans la forêt. Très bien. Alors allons-y, s'il vous plaît. Jeunes gens, prenez votre micro, on ne sait jamais. Est-ce qu'on va essayer de reconnaître les oiseaux, les animaux? Voilà, lequel c'est le vôtre? C'est celui-là, je crois. Merci. Alors, Philippe Collignon, bonjour. Venez respirer ce magnifique air dans la forêt. Regardez cette belle forêt. On s'installe. Asseyez-vous, allongez-vous plutôt. Christine. Regardez, il y a même une coccinelle qui est venue se poser. Mettez-vous là. Merci. Oui, je vais me mettre à côté de vous. Alors, on va s'allonger. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire dans la forêt, Christophe? Vous dire un footing, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut ramasser des champignons, on va mettre un peu moins fort les oiseaux, écouter les chants d'oiseaux, reconnaître les chants d'oiseaux, ramasser des petites bruyères pour les replanter à sa maison. Ça, c'est interdit, c'est Christophe? C'est interdit? C'est interdit de ramasser des éléments naturels dans la forêt. Ça dépend des forêts. Bon. Si elles sont privées ou elles sont publiques. Alors, ce qu'on peut faire, c'est reconnaître des chants d'oiseaux. Donc, on va s'allonger et on va écouter... On va écouter des chants d'oiseaux. On va essayer d'écouter des chants d'oiseaux. Arrêtez, Patrice. Mon costume. Excusez-nous, Christine. C'est pas grave. C'est naturel, c'est de la feuille. Il n'y a rien de sale, ça n'est que de la terre et de la feuille. Ils sont pas nettoyés, hein. Il y a une question Minitel, mesdames, messieurs, que vous pouvez regarder, s'il vous plaît. À propos de la forêt, justement, voici la question Minitel. Templé, c'est Malathieu, annumère des France. Voilà. Aimez-vous les forêts vierges? 36-15, évidemment, TF1, oui ou non? Code coucou. Alors, on va écouter quelques chants d'oiseaux et essayer de les reconnaître. C'est un petit jeu. Hein? Allons-y. Le sauvage. Allez, faut un peu se taire, parce que sinon... On va faire jouer Christine en première. C'est un roucoulement. Ça vit dans les bois. C'est une tondeuse à gazon. Une tourterelle des bois. Bravo, une tourterelle Christine. Des bois, voilà. Alors, un autre petit chant d'oiseau très aigu. Le petit roitelet huppé, qui vit également dans les forêts. Écoutez, le petit roitelet. C'est très joli. Voilà, regardez, vous avez la photo. Alors ça, c'est quoi? Ça vit dans les bords d'eau, près des bois. Attends, je vais le dire. Le petit roitelet huppé. Ça là? Oui, ça. Ça là? Un foulque? Non, une poule d'eau. Ah, j'étais pas loin. Voilà, pas très loin, Christophe. Ah oui, c'est une poule d'eau. Paf! Alors ça, écoutez, un rire, un oiseau qui rit. Qui vit sur les bois, qui vit dans les troncs des arbres. C'est belle marre. Un pic vert. Un pic vert. Ou un pic vert. Oui. Pivert ou pic vert? Ah oui, il rigole. Voilà. Il se fout de notre gueule. Pivert. Ou pic vert. Alors ça c'est un. Alors ça, vous allez souvent en rencontrer cet hiver. Pivert. Non.
sans sonner. Une mésange. Oh, une mésange à longue queue. Ah, longue queue. Oui, regardez. Ah, on la voit bien, oui. Ah, ouais. Ah, pas l'air couillon. Ah, pas l'air couillon non, du tout. Non, dans la forêt. Essaye, venez un peu avec nous, là. Venez, Patrice et Pierre, venez par là. Viens, là. Viens. Ça, nous, on n'a pas... Ça, c'est une hirondelle. On est avec moi, on démarre dans notre forêt vierge, vous savez. Pas même. Dites non. Qu'est-ce que c'est ? C'est une hirondelle. Une hirondelle. Une hirondelle a la particularité chaque année de revenir faire son nid là où elle est née. Exactement. Et ça, c'est quoi ? Ça sort plutôt la nuit. C'est un chou. Ah, le chou, le chouin, le... La, la... C'est un hibou. Le hibou, voilà. Un hibou petit duc. Ah, le petit duc. Un petit duc. Un tout petit hibou. Tout est voilà. Tout duc ici, tout est tout duc. Alors, j'ai amené des apôts. Des apôts. Alors, on va essayer de... Qu'est-ce que vous préférez, Christophe ? Non, pas trop gros pour moi. Là, ça doit être la tourterelle ou le pigeon, ça, le gros. Donnez-le-moi, là. Non, le gros, là. Celui-là, là ? Ouais. Oui, c'est la tourterelle. Oui, c'est la tourterelle. Voilà. Alors, je vous donne le merle noir. Donc, en fait, il faut siffler 4 à 5, 6 fois. Ça, c'est pourquoi ? On va pas tout faire en même temps. Tenez. Allez-y. Bien sûr. Oui, bien sûr. Tenez, je vous donne celui-là, il est facile. Mais je peux vous compliquer. Ah, celui-là, il est bien, regardez. Ça, c'est le coucou. Ah oui. Pardon. Vous en voulez un propre ? Oui, ça va. Donnez-le un propre. Je voudrais un vierge. Ça, c'est... Il est un propre, voilà un gros propre. Il faut faire quelque chose. C'est bon, très bien. Voilà. Il est assez monolithique, celui-là. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est le hibou. C'est un hibou, c'est un hibou. C'est un hibou. Oui. Ah oui, oui, là, oui, ça c'est un hibou. Voilà. Ça c'est le feu d'artifice, ça s'appelle. Ça c'est un rossignol, donc il faut tourner avec l'index. Ah, et bien le rossignol. Ça, c'est plus hygiénique. Ça. Voilà, tenez. Oui, celui-là, on se passe pas les microbes avec celui-là. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est là. C'est, le petit... c'est la chouette. C'est la chouette chevêche, non ? Oh, voilà, très bien. J'ai un verre. Bah, soignez-vous, Patrice. Regardez. C'est la forêt, Patrice, c'est la forêt. Ah, Christine a peur des verres. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un verre de terre. Oh, il est gluant. Alors, mettez-le sur Philippe, il a l'habitude. Donc, c'est une petite limace. Alors maintenant, on va prendre ça, c'est la chouette. C'est la chouette, ouais. La chouette sauvage, la petite chouette. Alors, on va prendre les jumelles, on va essayer d'observer ce qui se passe dans la forêt. Et Patrice et Pierre, vous pouvez être un peu concentrés, pas parler en même temps, les garçons. Prenez les jumelles, Patrice et Pierre. Oui. Ah, bah, vous en avez une pour deux, vous, là. Prenez vos jumelles, Christine. Pour deux, allez-y. Je ne veux pas voir ce que vous voyez. Alors, on va essayer de voir ce qui se passe. Regardez. Alors, voyons voir. Ah, voyons voir. Regardez, c'est quoi, ça ? Oh, un cerf ! Un cerf. Donc, le cerf peut peser jusqu'à 350 kilos. Il peut avoir 24 corps. Regardez. Oh, un gros cerf ! Regardez sur la droite. Ils se battent. Ils se battent. Ce sont déjà des vieux cerfs, ici. Elles sont très bonnes, les jumelles. Et on les entend bramer en automne. Alors, voyons voir si on voit quelque chose d'autre. Patrice, vous voyez quelque chose d'autre ? Là, je vois Pierre qui a un genou. Rien. Regardez, c'est quoi, ça ? Et Schmurt ! Non ! Un faon ! Il a vu un faisan ! C'est le petit du cerf et de la biche. Patrice, c'est le petit faon. Un petit faon. On va voir si on voit quelque chose. Vous voyez Christine ou pas ? Oui. Christine, qu'est-ce que vous voyez ? Un daim. Non, non, Christine, regarde. C'est pas un ours, non ? Regardez bien, Christine, regardez bien. Christine. Ah, un ours. On va regarder Christine. Regardez un petit ours qui monte à l'arbre pour manger le miel des abeilles sauvages. Oh ! Il est mignon. Passe-moi mon fusil. Vous avez vu ce qui s'est passé avec lui ? On le voit bien, là. Pierre, vous voyez quelque chose, vous ? Ah, très d'autres ? Bien. Ouais, parfaitement. Vous voyez bien dans vos jumelles, Pierre ? Ah, oh, bah, très bien. Ouais. Regardez si vous... Moi, j'ai des 42 cm. Hein. C'est quelque chose. 42 cm, ah, oui, Pierre ? Des 42 cm. Oh, dis donc. Ah, gros tempérament. Ah, c'est fou. Vous êtes très joli dans cette forêt fouillée. Il faut même ça un peu petit. Tiens, hein, vous bien, hein. Regardez des lapins. Oh, des lapins. Oh, regardez, dans deux secondes, ils sont très prolifiques, regardez. Regardez, regardez, tac, 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 tac. Ça, c'est un peu à droite, c'est regardez, un lapin et une lapine, voilà. Et ça, c'est qui ? Et ça, je sais pas. Ah, si, ça, c'est Christine. Des bêtes dans la forêt. Et ça, c'est qui ? Mais qu'est-ce qu'on voit en jaune comme ça ? C'est moi. Ah, c'est vous qui êtes en jaune. C'est beau. Vous êtes très feuille. Voilà. C'est tout ? Il n'y a plus rien à voir ? Non. J'ai la mousse. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans les forêts, Christophe ? Bah, je pourrais pas le dire. Des pommes, bien sûr. Des pommes, bien sûr. Hein ? Et puis, on peut faire aussi des herbiers. Alors, des regardez. Herbiers. Des herbiers, c'est quoi, les herbiers ? Après les apôts, les herbiers, c'est en fait ramasser des feuilles et les faire sécher à plat. Alors, voilà, j'en ai ramassé quelques-unes. Vous avez... Ça, pour les enfants, c'est génial. Hein. Vous avez des platanes. Enfin, des acères, pardon. Vous avez encore du boulot. On est entouré de boulot. Ah, il y en a. Hein, voilà. Il y en a du boulot. Vous avez un autre arbre qui est peu dans les forêts, mais qui est très intéressant, c'est un conifère, c'est un Jingo biloba. Ah, c'est le Jingo biloba. C'est celui qui a résisté à Hiroshima. Celui qui a résisté à Hiroshima. Oui. En France ?
C'est l'arbre aux 1000 écus, c'est ça, on trouve en France? Ah oui, bien sûr, oui. Celui qu'on appelle l'arbre aux écus. Comment? L'arbre aux 40 écus. C'est celui-là. Oui, celui-là. Tout à fait. Ah, c'est celui-là, l'arbre aux 40 écus. C'est un arbre qu'on trouve à la préhistoire. Et puis, bien sûr, le chêne. 42 centimètres. Le chêne. Ça, c'est un chêne. Oh, mais dis-donc, c'est un chêne royal. C'est un chêne royal. Vous savez qu'on peut faire très belles choses avec des feuilles séchées. On peut faire, on peut en tapisser des vieilles malles et les vernir ensuite. Et c'est magnifique. Également des nappes. Des nappes, en faire des tableaux. Oui, oui. On les applique, on les repasse au fer à repasser comme ça. Puis ensuite, on les applique sur de vieilles malles et des choses comme ça. Puis on les vernit, c'est magnifique. Vous faites ça à la maison un petit peu? Non, ma mère a fait ça. Ah, vous ferez Est-ce que vous avez déjà vu Est-ce que vous avez déjà vu à votre mère? Est-ce que vous avez déjà vu une mouche de près ou un lichen de près? Une mouche de près, on va regarder ça tout de suite. Oui, il y a des petits spores, des... Voilà. Regardez, une mouche de près. Oui, c'est magnifique. Regardez, on voit les organes de reproduction qui sortent. De la mousse. Ah ouais. Ça d'accord. Pas la forme qu'on pensait. Bah non. Ça a des organes de reproduction. Bien sûr. C'est des spores. Voilà. Et ça tâle à une vitesse formidable. Ça tâle dans une vitesse, regardez dans la forêt, il y en a de partout. Ouais. Et le lichen, vous connaissez le lichen? C'est quand même pas de la masse. Plutôt ça, au nord. Hein. Ça, c'est un champibi. Ça, c'est un champignon, ça, c'est ce qu'on appelle la langue de bœuf. Voilà le lichen. Elle est là, je vais à peine en forêt. C'est une langue de bœuf, elle connaît tout. Oui. Voilà. C'est une langue de bœuf. C'est une langue de bœuf. C'est un poisson qu'il a dit. Très bien. Ça vit sur les arbres, c'est un parasite en fait. On peut le manger quand il est jeune. Oui, mais enfin, vraiment. Oui. Quand il est jeune. Non, la langue de bœuf. On peut manger ça? Voilà. Quand c'est jeune, c'est mangeable. Quand c'est jeune, c'est mangeable. Punaise des bois, les gars. Hop, voilà, top. Une punaise. Attention, c'est extraordinaire, c'est vraiment. C'est la forêt, Christophe. La voyez-vous? Elle est belle. Elle est bien vivante. Elle est très, très belle. Ah, mais vous êtes dégoûté pour un rien. Hein. C'est très gentil. C'est charmant. On va regarder la réponse Minitel immédiatement, si vous le désirez bien. Regardez. Par contre, ça c'est ça. Non, pas sur vous. Je m'attendais à ça. Protège. Je m'y attendais. Ça y est maintenant. Hein. Alors, regardez. Aimez-vous les forêts vierges? Oui, à 87. Oui, à 87. Monsieur Collignon, c'est sympa ou quoi? Oui, à 87,2%. Donc, non, c'est dire. Je sors ce soir. Celle-ci n'est plus vierge, Christophe. Non, celle-ci n'est plus vierge, nous disons passé. Merci, Philippe Collignon. Applaudissements pour ce garçon. Ah, t'as raison. Bonne intervention, hein. Bonne intervention. Alors, hein. Il y a but. Il a failli y avoir but. On va se retrouver maintenant immédiatement. Allez, pour l'actualité de Christine. Allons-y. Attention, vous marchez. Hop. Ouais. Marchez sur un truc, moi. Merci, Philippe Pérignon. Il y a les micros qui sont par là, sûrement, hein. Les micros sont par là. Arrêtez, il y a les micros, là. Où sont les micros? Ah, merci, en voilà un. Et... Parce qu'après la forêt, on va parler des marmottes. Où est votre micro, Christine? Je tombe bien. Là. Elle n'a pas besoin de micro pour l'instant. Ah non, pas besoin. On va juste marcher dessus, c'est pas un problème. Ah ouais. Nous allons faire. Donc maintenant, nous allons parler des marmottes. Oh, bah, heureusement qu'il y a des maniaques ici. Nous allons parler des marmottes. Alors, dernier film d'Elie Chouraki, sorti aujourd'hui. Oui. Avec beaucoup d'acteurs, Gérard Lanvin, Jacqueline Bisset, André Dussolier. Marie Trintignant, Jean-Louis Banglade, Anouk Aimé et Daniel Gélin, je crois que j'en oublie encore. Oui, Daniel Roussel, Gélin qui est le patriarche. Christian Charmetant. Qui est le patriarche, oui. Ah, c'est une histoire. Oui, oui. C'est une histoire entremêlée d'histoires d'amour, de toutes ces histoires d'amour qui règnent dans une famille et d'histoires d'amour qui se font, qui se défont. Et donc vous êtes d'ailleurs la seule dans le film à ne pas vraiment... Je ne suis pas vraiment partie du groupe, effectivement, parce que c'est une famille qui se retrouve régulièrement à Noël et au Nouvel An, à Chamonix, enfin à la montagne, qui aime cette chaleur, cette espèce de choses partagées comme ça. Que vous ne partagez pas justement parce que vous êtes un peu en instance de séparation. Moi, je joue un couple avec Gérard Lanvin et on est en instance de divorce. C'est assez violent et assez... Beaucoup de disputes. Assez tumultueux, oui. Ouais. Beaucoup de disputes. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est un reflet de la société d'aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que le cocooning, c'est fini, la fidélité, etc. Que maintenant, il faut dire, on ne s'aime plus, on se quitte, on se sépare. Est-ce que c'est une espèce de message comme celui-là? Est-ce que c'est un polaroid de la société du jour? En tout cas, c'est comme ça que le son est lié. Effectivement, il sent que les choses évoluent dans ce sens-là, que le plus important maintenant, à l'heure actuelle, à privilégier, c'est sans doute les histoires d'amour. Est-ce qu'on vit affectivement, émotionnellement? Et il sent cette espèce de difficulté, effectivement, peut-être, de vivre ensemble et en même temps cette nécessité de faire en sorte d'y arriver. C'est une comédie, quand même. C'est une comédie, c'est très drôle. J'ai vu le film assez récemment, je l'ai vu il y a 2 jours. Vous a plu? Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça tellement... tellement drôle, tellement touchant, tellement émouvant. Enfin, je trouve que malgré toutes les histoires qu'on raconte dans ce film, qui sont effectivement du côté un petit peu du côté des heures et des bobos et tout ça, on en ressort le cœur rempli de joie parce que c'est un film positif, c'est un film
C'est un film enthousiaste. Même votre rôle, qui est un rôle même un peu... Même ce rôle, ouais, même le couple que je forme avec Gérard, finalement, il y a un espoir dedans, il y a quelque chose, il y a la vie, en tout cas. Quand vous dites « je l'ai vu il y a deux jours », est-ce que ça veut dire que vous n'assistez pas au rush, c'est-à-dire... Si, ordinairement, si j'en avais vu quelques petits bouts, mais comme on tournait à la montagne, tout ça, j'ai pas pu tout voir, puis j'étais pas là tout le temps, donc j'ai pas pu tout voir. Et puis là, comme j'ai tourné récemment hors de France, j'ai pas assisté à d'autres projections plus tôt. J'étais au Portugal en train de tourner un téléfilm avec Robin Davis. Ah ouais. Oui, impossible à comprendre cette langue. Ah, je parle couramment. Mais pourtant, oui. Bien sûr. Pourtant, j'adore mes langues, mais celle-ci. Pardon, oui, pardon. Ça a été l'assistant de Lelouch. On a l'impression comme ça qu'il y a une famille qui se retrouve aussi un petit peu comme dans les films de Lelouch, ou pas un clan, non? Oui, on peut l'apparenter, effectivement, mais il a quelque chose de plus personnel. Il a sa touche à lui, et puis il y a sans doute plus de cohérence, de cohésion. Enfin, il est plus rigoureux, je crois, dans sa façon de filmer. Est-ce que les gens qui vont aller voir ce film vont chacun se retrouver dans un des rôles Très certainement. Ouais. Ceux qui sont honnêtes, en tout cas, se retrouveront, diront que c'est eux. Oui, ou que c'est le ceux voisin. Ceux qui sont plus malhonnêtes prétendront que c'est le beau-frère. Que c'est le beau-frère. Ah. Voilà, ça s'appelle Les Marmottes, ça sort aujourd'hui. C'est un film d'Élie Chouraqui avec tous les gens dont nous venons de parler, avec évidemment Christine Boisson à l'intérieur de ce film. À droite, Franck Schlesinger. Bonjour. Les Arvues de presse. Les Arvues de presse. Mercredi. En tout cas, vous avez envie d'y aller. Oui. Oui, j'ai envie. Sorti aujourd'hui. Franck, qu'avez-vous lu cette semaine? J'ai lu Elle. Allez-vous déjà. Un petit peu au cinéma, Pierre? Excusez-moi, Franck. Allez-vous un petit peu au cinéma de temps en temps? Très peu. Très peu. Bien fait de vous poser la question. Est-ce que vous allez aux États-Unis parfois? Très peu également. Oui, très peu également. Mais j'y étais quand même. Aux États-Unis, il y a des féministes américaines qui représentent un lobby fantastique. Ça, c'est dans Elle. Ça fait 20 ans. Ça, c'est dans Elle. Et alors, ces féministes américaines viennent de rédiger un code de bonne conduite sexuelle avec un vrai protocole des relations amoureuses. Un code de conduite sexuelle? Un code de bonne conduite sexuelle. Il faudra nous en donner une photocopie. Alors, je ne l'ai pas encore, mais par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous sortez avec une fille, admettons... Oui, pure hypothèse de travail. Que vous voyez que c'est plutôt bien parti, si sortez, vous voulez... Vous êtes dans la rue avec elle? Non, vous êtes au restaurant. Sortir, Patrice, ça veut dire flirter? Ah non! Non, justement, pas sortir! Ah, sortir! Ouais, mais vous sentez que c'est un peu. Going out! Ouais. Voilà. Going out! Ouais. Si vous sentez que c'est un peu chaud, vous dites: bon, tiens, je vais lui prendre la main. Normal. Oui, ou tiens, je vais prendre le sein! Bon. Si jamais vous voulez. Je plaisante! Ma tronche de première. Si jamais vous voulez lui prendre la main, avant tout, il faut lui demander son autorisation. Canaille. Ouais. Okay, si jamais après vous voulez, alors si elle dit oui c'est bien. Si après vous dites tiens je vais lui caresser le bras. Mais non mais au restaurant on est face à face. Je vais lui caresser le bras. Ah, il faut lui demander son autorisation. De si vous voulez l'embrasser, il faut lui demander son autorisation. Quoi que vous vouliez faire, il faut lui demander son autorisation. Il faut faire une Il faut lui demander. Autorisation écrite et signée de sa main. Il faut lui demander. Elle répond oui, vous pouvez y aller. Écrit. Non, écrit. Il faut pas venir avec des formulaires non plus. Non, c'est est-ce que je peux vous embrasser? Il y a pas de preuve. Et alors ce n'est rien. Vis-à-vis de qui? Si elle veut vous faire un procès après. Mais alors ça pose un problème. Est-ce qu'on peut dire puis-je me permettre de vous embrasser par surprise par exemple? Oui, par exemple. Oui. Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire. Mais on peut vous dire non aussi. Et alors elle dit oui après. Mais après il y a plus de surprise. Ce n'est rien quand on apprend qu'en plus elles exigent de la justice américaine que ce soit considéré comme harcèlement sexuel condamnable des expressions du type Hello baby. Oui, oui. Quoi? Ouais. Hello baby, oui, mais harcèlement là, sexuel. C'est un scoop ça. Comment il s'appelle? Elles demandent ça, hein. C'est pas fait encore, mais elles veulent ça. Oui, mais enfin bon. Est-ce que c'est pas un peu amplifié quand même? Ah ben les Américains, ça, côté. Alors, vous imaginez, vous dites à une fille, j'ai envie de toi, hein, histoire de faire passer le courant, c'est la chaise électrique. Oui, ou alors touche-moi cochonne, c'est la pendaison. Ah oui, c'est la pendaison. Très dur. Très dur. Bon, alors sinon, dans Bravo Girl, on se rend compte... Voilà ce qu'on peut faire. Alors là, pour le coup, la prochaine fois que vous allez aux États-Unis, c'est « Est-ce que je peux vous embrasser ?» La fille dit « Oui », tu fais « Tiens, hop, c'est débrouillé. » Oui, mais sinon, là, c'est un procès pour dénigrement sexuel. Pour racisme sexuel. Sinon, dans Bravo Girl, on se rend compte que les jeunes filles en France sont très sympathiques. Bravo Girl, what is it? C'est un journal pour les jeunes filles. Ah, très bien. Et il y a un dossier sur les caresses. Oh, c'est chaud, oui, il y a des photos. Il y a un dossier sur les caresses. Les caresses... Les photos. Bon, je vous le donne. Attendez, je vous le donne après. Ah, moi, je vois les photos. D'accord. Il y a une jeune fille qui dit « À quoi puis-je me rendre compte que ce que je lui fais lui plaît ?» C'est quand il a les yeux comme ça. Et le journal répond que, a priori, chez un garçon, quand il est content, ça se voit. Hein? Oui. Bon. Mais qu'en plus, il y a des indices qui ne trompent pas. Exemple... Il boite. Non. Attendez. Son pouls, il s'accélère. Son pouls et sa respiration s'accélèrent. Oui. En plus, après, il serre la fille
dans ses bras. C'était un ours. Ouais. C'est plus un homme. Et alors, le truc qui est imparable au niveau, c'est-à-dire s'il est vraiment très très content, c'est qu'il plonge ses mains dans ses cheveux. À lui. Ça, c'est quand il est fou de joie. Oui, ça. Fou de bonheur. C'est craque dans les cheveux. Comme quoi, les cheveux, c'est très sexuel aussi. Bien sûr. Hein, on peut se faire une raie sur le côté, une queue de cheval, enfin des. Oui, oui, bien sûr, tout ça, oui. Bon, sinon, alors, nouvelle. Sur la langue aussi, le cheveu. Oui. Sinon, nouvelle surprenante, avec, ça tombe bien, un journal qui s'appelle Nouvelle surprenante. Ah, c'est un journal qui s'appelle Nouvelle surprenante. Oui. Français, alors, donc. Oui. Français. Et alors, je peux vous dire qu'il faut se méfier parce que tout en bas de la page 2, en tout petit, il y a écrit les photos des personnes publiées dans ce numéro ne sont toujours pas en relation avec le contenu des articles. Ils ne sont pas toujours en relation. Ne sont pas toujours en relation avec le contenu des articles. C'est-à-dire que c'est bidon complètement. Mais il l'annonce, mais en tout petit. Oui. Ah, il faut le voir. Alors, bon, on est au courant. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Page 4. Il n'y avait pas de WC à bord de l'avion. Ingrid, une passagère de 41 ans, est parvenue à convaincre le pilote de l'appareil de faire un atterrissage d'urgence parce qu'elle devait absolument aller aux toilettes. Information capitale. C'est pas mal. Capitale. Ouais. Capitale et surtout très crédible. Oui. Très crédible. Surprenante. Non, attendez. Dans un avion taxi, ça arrive, ça. C'est pas prévu du tout, très souvent. Hein. Ah non, mais ça, j'ai connu ce problème, pas pour moi. Le monde ne peut pas voyager en avion taxi. Ah non, mais d'accord, mais ça existe. Mais fallait faire propos avant. Ça doit être le lieu idéal du confort, et c'est pas le cas, justement. Mais pourquoi vous n'avez pas fait au petit avant? Mais je ne me parle pas de moi. Le grand menteur, allez. C'est pas vous. Alors, Pierre Belmar prenait un avion taxi. Quand était-ce? Oui, oh, c'était il y a très longtemps, quoi. Bon, mais il y a des pipirons dans les avions taxi. Non, pas dans les tout petits. Pas du tout. Ah, mais absolument pas. Non, pas dans un jet, un avion taxi. Un petit moteur. Oui, un petit machin, un bichecraft. Un petit bichecraft. Il y a un cockpit. Il y a un pilote, il y en a parfois un deuxième, puis il y a deux, trois passagers derrière. Mais il y a qu'à faire pipi dessus. Ben oui, bien sûr. Il y a un cockpit. Un cockpit, très joli. Enfin, bref, c'est possible. Oui. Nouvelle surprenante, page d'après, on apprend qu'un retraité alsacien perd son chemin et se retrouve en Suisse. Bon, alors il a traversé 5 départements en voulant se rendre chez son dentiste. Surprenant. Ouais. Oui. Nouvelle surprenante. Page d'après, on apprend qu'aux États-Unis, il y a une secte de mystiques fanatiques. Attendez, Franck. Christine. Oh, pardon. Allez-y. Non, j'avais dit que j'avais pas bien suivi. Alors, un Alsacien. C'est pas la peine de reprendre. Ah, si, parce que il est chez son dentiste et qui a traversé. Il s'est perdu. Voilà, il s'est perdu. Il a traversé cinq départements. Il s'est retrouvé en Suisse. Oui, c'est intéressant. Ça, c'est plus intéressant. Aux États-Unis, ça, c'est super. Il existe une secte de mystiques fanatiques qui dégonfle les pneus des voitures. Pourquoi oui. Pour rendre l'air à Dieu. Eh oui. Ça, c'est plus surprenant. Mais oui. C'est une nouvelle surprenante. Oui, c'est surprenant. Et alors? C'est aux États-Unis, hein. Oui. C'est aux États-Unis. Tout peut arriver aux États-Unis. Et on fait un journal de tout ça. Bien sûr. Oui. Et alors, bon, je me suis dit, il faut aller voir la page courrier. Christine. Est-ce qu'il dégonfle les vaches aussi? Pourquoi les vaches? Bien sûr. Ah, bon. Non, c'est une bonne question. Oui. Franck, pouvez-vous y répondre, s'il vous plaît? Les vaches, je ne sais pas. Mais non, parce que les vaches sont sacrées. Oui. Puis si on a de l'aérophagie, par contre, il faut faire attention. Ça, quel est le rapport, pardonnez-moi, quel est le rapport avec la couche d'ozone et les vaches? Il y avait un rapport entre les vaches et la couche d'ozone. Ah oui, parce que quand elles pètent. Les pets de vaches. Je ne vais pas le dire, mais... Ah ben oui, ce sont les pets de vaches, bien sûr. Les pets de vaches trous, là. C'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'ils dégonflaient les vaches? Alors. Pour rendre quel air à Dieu? Bien sûr. Je vais me renseigner, de toute façon. À la page courrier des lecteurs, là, ça vaut le coup. Cher Olga, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours marché pieds nus. Bon. Oh, j'ai eu peur. Hein. J'adore les pieds et chez moi, j'ai des photos de pieds partout dans la maison. Réponds-moi franchement, est-ce que je suis cinglé? Réponse, franchement, oui. Bon, sinon, en vitesse, deux trucs dans réponse à tout santé. On apprend que si jamais vous décidez de ne plus vous couper les cheveux... Non, là, déconnez pas, parce que c'est vachement important sur la chaîne et tout ça, réponse à tout santé, ça... Ah oui, non, mais je déconne pas. Ah bon, alors allez-y quand même. Si vous ne vous coupez plus les cheveux, ni les ongles, au terme de votre vie, vous avez une tignasse qui fait Paris-Zurich, 560 km de cheveux, et des ongles de 18 mètres. Voilà, c'est tout. Ça, c'est à tenter. Hein? Ça, c'est à tenter. Il faut commencer. 18 mètres d'ongles. En espérant que vous avez déjà eu une invitée ou un invité qui avait un nom immense. Un monsieur qui élevait des plantes. Et ça se retourne complètement, ça. Élevait des plantes. Comme les cornes de bélier. Ah oui, c'est très, très curieux. Vous n'avez jamais vu ça? J'ai pas vu quand c'était comme ça. Il y avait dans ce métier autrefois, il y avait un monsieur qui avait comme ça un ongle très, très long. Comme ça. Très, très long. Et là, il se grattait le pif. C'est pas facile. Compliqué de gratter le pif. 18 mètres. 18 mètres. Oui, gratter le pif de votre copain. Dans quel sens? Ah, c'est un tire-bouchon. C'est très difficile à entretenir. Il faut un étui. De manière à le protéger. Faites pas de gestes comme ça. Et alors,
Et dans le métro, c'est et pas pour facile. Se laver les cheveux, 560 km, il faut faire venir un canadaire. C'est qui le mec qui est au bout des ongles? C'est ça surtout. C'est surtout ça. Alors, ensuite, voilà, rapidement. Ensuite, après, tout de suite. Non, bon. Non, vite une petite chose encore. Alors, dans Bagatelle, ah oui, alors là, une information canon, un truc qui va bouleverser la diététique. Savez-vous, bon, je suis un peu confus, savez-vous que... Et dans confus, il y a fût. Hein. Et dans confus, il y a fût. Que dans une cuillère à soupe de semences masculines, on trouve l'équivalent nutritionnel... Déjà, cuillère à soupe... Bah quoi? Bah rien. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien dit. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai rien dit. Ah bon. On trouve l'équivalent nutritionnel de deux steaks... Ça me fait rigoler, je vous donne une cuillère à soupe. Deux steaks, 10 œufs, 6 oranges et 2 citrons. Ah ouais. Bon tac. Donc, il y a de quoi nourrir une famille. Oui, il y a de quoi nourrir et fonder une famille, d'ailleurs, en même temps. C'était une dernière chose, une dernière rapidement, vite, car la pub arrive. Bon, toujours dans ce même journal, il y a le courrier des lecteurs. C'est une jeune femme qui dit, bon, j'ai parfois l'impression d'être à court d'imagination. Quelle caresse je peux faire à mon partenaire pour qu'il soit content? Alors, il y a des tas de trucs classiques, connus, enfin, qu'on connaît. Et il y a d'autres choses. On lui dit, avez-vous pensé à lui pétrir ses abdos? Ça, je connais aussi. Bon. Avez-vous pensé à lui mordiller la clavicule, voire même l'omoplate? Ça, je connaissais moins. Ouais. Avez-vous... Alors ça, c'est bien. Pas de commentaire? Non. Sur l'omoplate? Non. Non. Avez-vous pensé... Avez-vous pensé... Avez-vous pensé... à lui faire un mouvement d'essorage avec son zizi? Un mouvement d'essorage. Avec son zizi. Ah, mais le... Ah, ça, je vais te dire, cela dit, le jour où ça arrive, il s'en rappelle. Il s'en rappelle. Ça, il s'en rappelle. Il est lessivé, même. Oui, ah, oui, oui. Ouais. Sors de là. Ouais. Merci. Ah, non, et alors, on lui dit aussi... avec Josiane, oh là là, je suis lessivé. Ah. Je suis... Et vous pouvez penser aussi à enduire son cœur de votre gourmandise préférée. Alors là, moi, j'adresse un message aux garçons, d'accord, oui, qui sont au début d'une relation avec une fille. Si jamais ils se rendent compte que leur future copine... est une accro de la tête de veau sauce gribiche. Faut qu'il très, dur, ouais. Très dur. Et le journal. Ou la cervelle, ouais, ou des tripes, ouais, à la mode de camp. Ouais, chili con carne. Ouais. Ouais. Truc très sympathique. Ouais. Et non, pour finir. Vaut mieux tomber amoureux des filles qui aiment la guimauve ou la glace à la vanille. Un verre de choucroute, pas mal non plus. Choucroute, pas mal. Oui, ouais. Pas mal. Et pour finir, on lui dit, attention. Un petit commentaire, Christine? Caviar, pas mal. Ah, oui. Mais il faut des toasts et tout ça. Surtout que le caviar doit se goûter sur la peau. Oui. Pour savoir si le caviar est bon, il faut le goûter faut directement mettre, sur la faut peau. Mettre un grain, parce que ça fait point noir. Oui, il faut le goûter là, dans le creux de la main. Oui. Comme ça. Avec le métal, ça... Ouais. ça essayez, vous verrez. Vous verrez, comme ça. Vous en mettez un peu là, et... Comme ça. Voilà. Oh, le petit coup de langue de Pierre, c'est quelque chose. Ah, oui, hein. Un petit commentaire, Christine. Je vais regarder. Et pour finir, le journal dit, attention, jamais d'aliments épicés sur les parties sensibles. Pourquoi? Parce qu'il faut jamais Et il y a des mecs qui font des hot dogs. Non. Mais non, je sais pas. Non, ouais. Non, interrogatif. Ouais, ouais, ouais. Jamais d'aliments épicés, un peu de poivre, ouais, un peu d'harissa, tout le week-end. Comme merci, quoi, faut Franck. Jamais chercher à pimenter sa vie sexuelle. Voilà. Bien sûr. Merci pour cette chute, Franck Schlesinger. À bientôt. Passez un bon week-end, mon camarade. Nous envoyons la pub. On se retrouve avec Christine Boisson, Pierre, Patrice et le reste. D'ici quelques secondes. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio pour cette émission en public et en direct à laquelle Christine Boisson participe et dont nous sommes évidemment ravis de cette occasion-là. Je voudrais saluer également, il paraît qu'il y a 2-3 camarades belges dans la salle, donc on leur dit juste bonjour 2, 3, également. Hein. Ça va pas ? Ça va pas ? C'est par là-bas. Alors, où est-ce qu'ils sont les Belges ? Où est-ce qu'ils sont ? Là ! Ah, ils sont là. Là-bas. Bonjour les gars. Bonjour les garçons. Alors, Patrice, où en sommes-nous? Oh bah, on va rester dans la forêt. On va prendre les réponses à l'énigme, mais avant, on devait faire des petites choses qu'on peut faire dans la forêt facilement. Voilà, et ça, c'est très bien et pour ça, la forêt. Et ça, c'est très bien, par exemple. Avec un gland de chêne. Avec un gland de chêne. On peut, avec une paille. Avec un petit gland. Et on fait une petite pipe. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec le plastique quand... Ouais. Non, mais vous faites un gland, vous faites une petite pipe avec un gland. Voilà. Voilà. Vous savez qu'il y a un animal qui ne se nourrit que de glands. Attention, l'animal qui ne se nourrit que de glands. La cochonne. La cochonne. Non, c'est vrai. Mais c'est des cochons qui ne se nourrissent que de glands légèrement sucrés. Les cochons. En Espagne, bien sûr, ça s'appelle les patas negras. Ah, les patas negras. Ah oui, les cochons. Ouais. Oui, cochon. Oui, absolument. Cochon pâte noire qui donne un fabuleux. Absolument. Et qu'est-ce que vous avez fumé là-dedans? Ben non, mais vous mettez un peu de tabac. Mais non, mais il y a du plastique, vous êtes malade ou quoi? Ah non, non, vous pouvez faire une... Non, il y a du plastique, Patrice. Vous avez fumé la paille. Arrêtez, non, vous avez plus de chances d'attraper un cancer avec une chose comme ça. Vous êtes dingue ou quoi? Ah, mais c'est vrai. Il veut aller jusqu'au bout.
Ah, regardez, non, mais on peut le faire avec un petit roseau. Il y a un peu de tabac, regardez, il y a un peu de tabac. Oui, non, mais vous mettez un petit roseau que vous plantez dans le gland. Vous vous plantez un roseau dans le gland, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous faites votre petite pipe. Et vous faites une petite pipe. Ah, bah, dis donc. On est mercredi, c'est le jour des enfants. Allez. Réponse à l'énigme. Réponse à l'énigme immédiate. Je rappelle l'énigme. Un soldat attend son train. Il est sur le quai de la gare. Je jouais avec Christine. Le train arrive. Les passagers descendent, les passagers montent. Le train s'en va. Le soldat est toujours sur le quai de la gare. Une idée? Oui. Dans l'oreille, alors. Ouais. Allez-y dans le micro. Parce que c'est... c'est quoi? Ça doit pas être la non, bonne. C'est quoi, non, c'est quoi? Pas la bonne. C'est pas la bonne. Allons-y. 42 48 16, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, allô. Bonsoir, c'est Patrick. Patrick. Oui, de Saint-Chartreux. De Saint-Chartreux. Dans l'Essonne. Saint-Chartreux. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Christophe. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Bonsoir. 28 ans. 28 ans. Oui. Quelle classe êtes-vous? Non, c'est ça. Allez-y, posez votre donnez-nous votre éventuelle réponse. Pourquoi? Je pense que le militaire s'aperçoit que sur son ticket de métro... Il est à la gare, hein. Ouais, son ticket de gare... ne correspond pas à la gare où il est. Mmh. Ah oui, il est idiot. Il s'est trompé de gare, c'est ça? Donc vous voulez dire que ce militaire est un petit peu couillon? Non. Oui. C'est ce qu'il veut dire. Un imbécile, disons-le. Eh bien non. Désolé, ça n'est pas la bonne réponse. C'était bien tenté quand même, au revoir jeune homme. Au revoir. Monsieur Léo, t'as pas content. On va prendre un deuxième appel, s'il vous plaît. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Allô, bonsoir. Et bonsoir. Oui, c'est Philippe de Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir Philippe, Christophe de Paris, je vous écoute. Oui, alors je pense qu'il n'a pas à prendre le train, qu'il attend tout simplement que quelqu'un descende, soit sa petite amie ou quelqu'un d'autre. Eh oui, mais le train est reparti, il est tout seul sur la gare, sur le quai. Oui. Eh ben... Alors, ben, la personne a loupé le train. Ah, alors attendez. Oui, c'est intéressant. Vous voulez dire que la personne qui l'attend a loupé le train alors qu'il l'attendait sur le quai de la gare? Tout à fait. Pas du tout. Non, il prend le train. On a dit qu'il prenait le train. Mais alors, pas du tout. Non, il vient pour prendre le train. Il vient pour prendre le train. On le dit dans les lignes. Il attend son train. Eh oui, il attend pas le train de quelqu'un d'autre, il attend son train. Restez une idée? Bon. J'ai pas d'idée là. La dernière fois, j'avais trouvé. C'était quoi? Ah, c'est vrai que la dernière fois, vous aviez trouvé. Oui. Quoi t'étais-ce? C'était les échasses. C'était un berger. Les bergers. C'est presque la même réponse. C'est presque ça, mais c'est pas exactement ça. Une troisième. Bonsoir Philippe. Enfin, bonsoir. Comment s'appelait-il ce jeune homme? Philippe. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Votre prénom, allons-y, c'est bonsoir, il y a un troisième appel. Chut, taisons-nous, allons-y. Bonsoir, Christophe. Que des hommes ce soir, dis donc, Christine, hein. Alors, allons-y, votre prénom. Jean-Paul à Schiltigheim. Ah oui, c'est où? C'est en Est, en Alsace. Strasbourg. Alsace. Parce que c'est pas les Belges qu'il y avait. Alors, je salue nos amis alsaciens qui sont ici. On m'a dit, il y a des amis belges qui sont là. Il y en a, mais peu. Il y a quelques Belges et des Alsaciens. Oui, c'est la Lotharingie, tout ça. Oui, oui. C'est toujours la Lotharingie, il n'y a pas de problème. Hein? C'est la Lotharingie, tout ça. C'est la Lotharingie. Ah oui, c'est la Lotharingie. Vous connaissez les Suisses, etc. Ah oui, la Lotharingie. Oui, absolument. Bien joué, Calaga. Je vous écoute tout à l'heure, ça n'a rien. Allons-y, vite. Monsieur. Oui. Votre prénom? Jean-Paul. On vous écoute. Voilà, je pense que sur le quai de la gare, il y a une fanfare qui est en train de jouer la Marseillaise. Et pourquoi? Et pourquoi? Pour... comme ça. Ah, comme ça. Jean-Paul, n'exagérez pas, s'il vous plaît. Il y a éventuellement un filet garni au bout. Il y a une fanfare qui joue la Marseillaise. Bah, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils attendent une personnalité qui descend du train. Ok, et donc? Le militaire est obligé de rester au garde à vous. Et le train repart. Sans lui. Gagné. Oui, c'est bien. Parce que dès que... Gagné pour notre ami... Parce que dès qu'un militaire voit, il faut qu'il le voit. Il est de la banlieue de Strasbourg, à côté de Strasbourg. À côté de Strasbourg. Dès qu'un militaire voit jouer la Marseillaise et l'entend, par conséquent, il est obligé de se mettre en garde à vous. S'il est en uniforme. S'il est en uniforme. Là, et généralement, c'est quand il y a un dépôt de gerbe à côté et une cérémonie officielle. Mais... Très bien. Vous avez gagné. Qu'est-ce que vous avez gagné, Jean-Paul? Vous venez de gagner deux équipements. Vous skiez, Jean-Paul? Pas souvent. Pas souvent. Il va pouvoir apprendre. Il va pouvoir apprendre parce que vous venez de gagner deux équipements de ski constitués de ski asymétriques Dynastar pour une meilleure accroche modèle ID80 de chaussures de compétition Lange, modèle XR7 et modèle
Attendez, asymétrique, ça veut dire qu'il a un petit ski et puis un grand ski? Non, je crois qu'il y a des skis plus ou moins larges. C'est ça. Oui. Plus ou moins larges, selon qu'on le met à gauche ou à droite. Ah bon? Oui, tout à fait. Modèle ATA adapté à la jambe et aux pieds féminins. Si vous avez... nous vous offrons en plus un séjour d'une semaine, écoutez bien, pour deux à Serre Chevalier, dans les Hautes-Alpes. Ce sont trois Serre Chevalier. Et vous serez logé à l'hôtel Plein Sud, qui est un hôtel grand confort, avec terrasse face aux pistes de ski, piscine, hammam. Dans l'hôtel, vous découvrirez le domaine skiable du Grand Serre Chevalier, qui s'étend sur 250 km de piste. Évidemment, Serre Chevalier étant une station formidable parmi d'autres stations, mais c'est une très bonne station. Patrice. Professeur Ivar, on y va. Alors Jean-Paul, bravo, vous êtes content. Avec nos félicitations. Et bravo à toutes les. Merci Jean-Paul, bye bye, nous allons rejoindre le meilleur professeur Ivar. Merci, votre micro main. Allons-y. Bonsoir. Il s'agit de mettre des blouses, bien évidemment, car avec le professeur Ivar, on ne sait jamais. Ça peut jaillir. Installez-vous derrière cette petite table. Allez-y, je vais vous aider. Alors. Allons très vite y arriver. Ah, voilà. Vous un petit peu en bas. Voilà. Alors, professeur, de quoi s'agit-il? Alors, installez-vous. De quoi s'agit-il, professeur? Voilà, par ici. Et puis, on se met au bout. Nous avons 4 minutes. Vous avez 4 minutes. Donc, non, nous avons. Nous avons 4 minutes. Vous avez. Vous commencez à mettre les gants. Et à votre avis, comment faut-il faire pour que cette petite pièce de 1 franc, lorsque vous soufflez dessus, se soulève pour partir dans cette assiette? Elle se soulève, j'ai bien dit qu'elle ne glisse pas. En soufflant. En soufflant. Ben, on ne sait pas. Facile. Vous ne savez pas. Hein? En soufflant. Non. Joli, Patrice. Ça ne marche pas. Ça sent quelque chose, C'est le vinaigre. Ah oui. Bien sûr. Ah oui, c'est très bien. J'ai dit, soufflant. C'était bien tenté. Cette petite pièce là. Vous l'avez? Ça y est. Alors l'astuce toute simple, c'est de la mettre ici au bord et de se mettre à l'horizontale ici, bien à l'horizontale, et de souffler légèrement en dessous. Plus fort que ça, un bon coup de souffle. Et voilà. Ah, pas mal. Là, ça passe. Plus fort. Ouais, bien. Presque. C'est juste. Non, pas trop. Voilà, comme ça. Ah. Oh, j'ai le gant qui me scie. Voilà. Où est le corps, s'il vous plaît? Où est le corps que l'on puisse faire? On a fait mon gant. Scalpel, bistouri, scie électrique, tronçonneuse. Ça, c'est comment faire un petit geyser à la maison. Un petit geyser. Donc, vous avez chacun un petit entonnoir. Oh, pas besoin de ça. Vous avez chacun un petit verre de vinaigre. Oui. Ça sent, hein? Alors, je m'excuse, j'ai pas pris mes gants. Hein. Alors, je m'excuse bien, allons-y. Et donc, que fait-on là? Merci. Voilà. Tu verses le vinaigre dans l'entonnoir? Voilà, et très vite, vous retirez l'entonnoir dès que tout le vinaigre a coulé. Parce que, attention, ça gicle ou pas? Voilà. Oh, voilà. Oui. Ça, c'est donc le petit geyser. Mon costume! C'est le petit geyser. La recette, c'est. Oh la vache, heureusement qu'on avait des blouses, regarde. Clac, ça fait propre. Oh là là. Ça fait propre. Et ça part tout de suite. Ça part tout de suite. Et ça part immédiat. Mais il faut enlever l'entonnoir. Voilà, tout à fait. Et je mets tout? Tout d'un coup. Tout d'un coup? Tout d'un coup. Et laissez couler. Oh là là, les pauvres plaies, plein de vinaigre. Oh non, les plaies, non! Donc ça, c'est à déconseiller dans les appartements, mieux vaut le faire dehors quand même. Mais quel est l'intérêt de faire ça? C'est une petite expérience pour les enfants. Non, on va pas bousiller tout laisser couler. Voilà, vous laissez tout couler. Après, retirer ça? Voilà. Allez-y. Et si on met qu'un petit peu de vinaigre? Allez-y, vite. Attention! Allez-y. Voilà. Oh non, il est pas bien. C'est nul. Autre chose. Ah non, mais c'est nul. Mais c'est pour les enfants. Ça dépend. Il suffit de mettre une bière et hop. Pour les enfants, non mais il conseille ça pour les enfants, monsieur Laurent. Avec du vinaigre. À votre avis, comment peut-on... voilà. Comment peut-on transpercer un ballon avec une aiguille à tricoter sans qu'il n'éclate? Sans qu'il n'éclate. Il faut le dégonfler. Sans qu'il n'éclate. Il faut le dégonfler. C'est dingue, ça. Alors, vous avez... Attendez, j'ai une idée. Regardez. Votre doigt. Oh là 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 là. C'est pas mal, mais sans le coincer. Sans le coincer. Ah, bien, l'astuce est toute simple. Sans le coincer. Allez. On trempe l'aiguille dans du liquide vaisselle. Oui. Non, j'ai dit rentrer l'aiguille. Dans du liquide vaisselle. Dans du liquide vaisselle. Et voilà. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est dingue. Ah, merde. Et il faut le tremper sur une des deux extrémités. Une des deux extrémités, Patrice. Et on le rentre dans une extrémité? Voilà. Comme ça? Voilà. Moi, je peux bien. Hein. Tout dépend de la qualité du ballon, bien sûr. Ah, tout dépend. Oh là là, on va être en train de se quitter d'ici quelques secondes. Dans la petite clichette, là. Ah, c'est zéro, ce truc-là. Non, zéro. C'est bien. Ah, voilà. Bravo. Oh,
Je vous rappelle que Christine Boisson est à partir d'aujourd'hui à l'affiche du film Les Marmottes d'Eli Chouraki et qu'on est en train de se quitter. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à demain. Sébastien Roch, demain soir. Merci beaucoup. Au revoir Christine. Ravi de vous avoir vu. Bye bye. Merci. Au revoir. Oui, parce que le...